Assalamu alaikum. Voilà. C'est encore le Kunti, il est infatigable, moi. Donc, on va parler un peu d'ici là. J'ai besoin de vous donner, j'ai besoin de vous donner mes explications concernant mon arrestation au Rwanda. Donc, y a beaucoup de gens qui se sont posé la question parce que ça fait presque un mois que je ne me connectais pas sur les réseaux sociaux. Mais tout le monde sait que moi, je suis quelqu'un, je suis un jeune actif sur les réseaux sociaux. Je suis un communicant actif. Je suis un communicant reconnu au Sénégal sur ma page, sur les publications du président Macky Sall. Donc, je suis un communicant du président Macky Sall parce que nous, on est là pour communiquer pour les présidents qui travaillent, les présidents qui font la fierté de leur pays. Moi, je fais partie de ça, ici au Sénégal, chez moi. Donc, je suis venu ici pour vous parler de mon arrestation au Rwanda. J'ai été arrêté au Rwanda le 9, le 10. Le 10 décembre 2019. Donc, excusez-moi parce que je vais mélanger français et soussou parce qu'il y a les Sénégalais aussi qui me suivent. Donc, ils ont besoin d'explications. Donc, je vais mélanger. J'ai des documents à vous montrer. J'ai tout. Et je détiens un passeport sénégalais. Vous avez vu. J'ai un passeport sénégalais. Donc, je suis sorti à Dakar le 9. Vous êtes, ça est là. Et vous avez vu le départ. Départ le 9 décembre 2019. Ça, c'est le départ à Dakar. Le 9. Voilà. Après départ à Dakar, je devais faire normalement vol direct. Je devais prendre ici vol direct jusqu'à en Italie. Parce que j'ai des documents italiens. J'avais le séjour qu'on m'avait donné et les papiers. Donc, je devais aller en Italie. Mais j'étais avec quelqu'un, un ami à qui j'ai confiance. À qui j'ai confiance. Il m'a proposé que d'aller au Rwanda. D'aller au Rwanda. Et qu'il y a un de ses amis là-bas aussi qui doit aller. Donc, je dois aller avec lui. C'est lui qui devait m'embarquer. On devait aller ensemble en Italie. Mais je ne voulais pas aller parce que Rwanda, c'est loin. Moi, je voulais prendre mon vol ici. Mais comme c'est lui qui avait décidé de m'aider, donc j'ai pris un billet Dakar sur Kenya Airways. Kenya Airways, j'ai pris un billet Dakar, Nairobi. Nairobi, Bujumbura. Bujumbura, Kigali. Donc j'ai fait escale à Bujumbura, à Nairobi. Et puis Bujumbura, et le 9, le 10, je suis atterri à l'aéroport international Kigali. Donc, normalement, je devais dormir à Kigali, le lendemain, prendre un autre avion pour aller en Italie. C'est ça qui était prévu, moi, dans mon voyage. Donc, une fois à Kigali, donc, il faut passer, tout le monde sait, les gens ont voyagé, il faut passer par l'immigration pour prendre des cachets. Donc, c'est là, je vais vous montrer. C'est là, vous avez vu. Ça, c'est le 10. Le 10, vous avez vu le cachet rwandais. Republic of Rwanda. Ça, c'est le 10 décembre. J'ai quitté Dakar le 9. Ça, c'est le 10 décembre. Voilà. Après. Et j'ai donné mon passeport au gars qui devait mettre le cachet rwandais. Directement, ça signalait dans l'ordinateur que mon passeport sénégalais que je détiens officiellement en tant que Sénégalais, on me dit que mon passeport a une notice rouge. Notice rouge, ça veut dire l'Interpol a été saisi pour que nous soyons pays au Mans, pays aux conventions signées Interpol
de m'arrêter. Ça, c'est signé. Maintenant, on m'a bloqué. Ils ont appelé les policiers. Les policiers sont venus. Je me suis expliqué. J'ai dit aux policiers, ah, mais moi, je suis sénégalais. Ils ont porté plainte contre moi. Qui a porté plainte contre moi à l'Interpol? Moi, je suis sorti de chez moi, le Sénégal. Le Sénégal ne m'a pas arrêté. Le Sénégal n'a pas pris Interpol pour m'arrêter. Donc, c'est le Rwanda qui va m'arrêter. Il me dit non, comme je suis dans un pays, moi, je ne parle pas l'anglais. Maintenant, je me suis mis en colère là-bas. J'ai dit non, pourquoi? Je suis sénégalais, pourquoi vous pouvez. Maintenant, Dieu merci, il y avait un gars qui comprenait le français là-bas. Lui, il est venu. On l'a expliqué. Il m'a tout expliqué que c'est pas le Sénégal qui a porté plainte contre moi, que c'est la Guinée. La Guinée, Interpol Guinée, qui a demandé qu'on m'arrête. J'ai dit, mais comment l'Interpol Guinée peut demander qu'on arrête un citoyen sénégalais? Mais comment on peut faire ça? Moi, je suis sénégalais. Je suis sénégalais. J'ai un passeport officiel. Vous avez mis mon passeport sur l'ordinateur. Ça a marché. Ça veut dire que le passeport n'est pas faux. Le passeport a été délivré par l'État sénégalais. Si le passeport était faux, je ne sortais pas du Sénégal. C'est le Sénégal même qui va m'arrêter. J'ai dit, mais comment ça? J'ai commencé à parler dans l'aéroport. Mais le Rwanda, c'est un pays de droit. Ça, je l'ai connu. Mbarakolon, pays de droit, nana, maintenant. Ici, le Rwanda, il n'a pas fait sortir. Et toi, sortir. Il n'a pas fait pour le Rwanda pour m'expliquer. J'ai besoin de mon ambassadeur et j'ai besoin d'un avocat dans l'aéroport. Non, non, mon frère. Ici, on va tout te donner. Ce n'est pas le Rwanda qui a porté plainte contre toi. Tu n'as rien fait au Rwanda. Au Rwanda, ici, personne ne va te suivre. C'est juste la Guinée qui a porté plainte contre toi pour qu'on t'arrête. J'ai dit, OK, moi, je ne suis pas guinéen. Vous ne m'avez pas arrêté avec un passeport guinéen. Je suis venu au Rwanda juste pour escale et quitter Rwanda pour aller en Italie. C'était ça mon escale. Maintenant, ils sont venus une fois autour là. Ils ont voulu me menotter. Mais il y avait un gars qui était là-bas. Il a dit non, il ne faut pas le menotter. Et Nasgadoro, Interpol à siège. Jusqu'à. Parce que nous sommes à heure créée. Il y a 2 heures où nous sommes. Maintenant, parce qu'on va dehors. La nuit vers 22 h comme ça, 21 h. Parce que dans Walima, il y a. Et ce jour, il y a du travail. Les gens travaillent. Il n'y a pas de nuit, jour, les gens travaillent. Maintenant, et on doit faire enquêteur enquête là-bas. Il s'appelle monsieur, j'ai le dossier ici, son nom est là. Jean-Claude, le dossier est là, je vous montre. Je vous montre, vous avez vu, RIB. Obabeto, RIB. Et RIB, Rwanda Investigation Bureau. Ça veut dire RIB. Office rwandais d'investigation. Office rwandais d'investigation. Voilà tout. Donc, je vais nous charger de ma ferme. Jean-Claude Kassira. Jean-Claude Kassira. Jean-Claude Kassira. Enquêteur. Je vais charger de ma dossier. Maintenant, je vais vérifier quoi. Donc, et notice dans ça, on a notice pour moi, c'est bien. Notice rouge, on a notice pour. Notice n'est pas une photo, au cas. Ma photo, il faut 2000. Une photo, notice. Interpol, on a notice n'est pas. On a notice, on a un lit, on a couru. Souma, on met notice dans ça avec. Interpol, la Guinée, dans ça, on va aller. On a notice, au cas. Notice n'est pas. Donc, notice, il y a un seul notice. On a un robert. Il y a fugitif recherché en vue de poursuite pénale. Non, ça, poursuite pénale. Mais attention, dangereux, dépressif, risque d'évasion, violent. Maintenant, je non que diffusion là-bas,
ma média ma sende fi quoi ma arrestation fi et bara média bin contacté la Guinée à bara c'est cité bin ma à que moi je suis recherché que je suis un perso je suis très dangereux j'ai fait des crimes en Guinée il y a ça à que j'ai fait des crimes en Guinée donc il a dit non souma prénom souma Mohamed sexe date de naissance en Guinée nationalité Guinée exacte va surnom surnom en surnom Amaki il a un surnom Maki nom de famille Souma, il parle français, chouchou, tu vois. Et là, c'est bien ça. Ambaramfi, le suspect se rend à Dakar. Moi, je suis là. Je suis à Dakar, vous connaissez. On va qui au Dakar. La Guinée, le Sénégal, colo la Guinée. Attends, le Sénégal, colo la Guinée. On entend jouer au Sénégal 2000 là, ou bien on entend jouer au Sénégal 2019, 2020. Maintenant, et là, moi, c'est ma caractère est bien, ça, les lunettes, là, ensemble, que je, souvent, je porte les lunettes et des boucles d'oreilles, tu vois. Et là, moi, c'est ça. Mais, fait que, là, je suis ma nationalité, 4 Guinéens, là, ça, ou bien, passeport, là, moi, c'est mes Guinéens, là, là. Maintenant, je fais, au bien, et là, fait, exposer des faits, exposer des faits, attends, là, vous l'avez nommé, exposer des faits, même, là, au bien. Et là, depuis avril, monsieur Baïdi Alibo, porte plainte à la police judiciaire contre le nommé Mohamed Moussouma, alias Macky Souma, et Mengué Yaruba Balesila. Actuellement, Nana Fouta, Balesila, peut-être Mingé Kolo. Voilà. Tous de nationalité guinéenne et complices pour les faits qualifiés d'association de malfaiteurs, menaces de mort, diffamation, tentative d'escroquerie et atteinte à la vie par le biais d'un système informatique et d'une moyenne de communication à son préjudice. Que les intéressés agissent en bande organisée, recherchent à tenter à sa vie ainsi qu'à celle de sa fille vivant aux États-Unis. Et voilà, c'est bébé, enregistrement audio à l'appui. Non, attends. Il en fallait un peu. À quoi? Moi, je. Oh. Association des malfaiteurs. Quelqu'un qui est au Sénégal. Ça fait depuis 2016 j'ai quitté ce pays-là. 2016, nous sommes maintenant à quel là? 2016. Pendant nos associations, on a dit. Pendant nos mairies, on a dit d'or et d'or. Mais les gens sont bêtes, quoi. Tout, malgré, ils ont mal refait. Ils ont voyagé, quoi. Parce que voilà, comme ça fait direction, on a bloqué, c'est des dire, mais à la moutine manara, mouna oule, mouna fait la baffe, oule, ramoukou, n'a pas fait non dinambe. Et puis, moi, n'a pas mis bar café, man, n'a pas 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 Alan Soutoura, il fait quoi? Mini fait la ram quiki, Alan Soutoura, il fait quoi? Allah, Allah, à nous, une serre reine, rambama, à nous, une serre reine, un bama, n'a pas mis il fait quoi? Parce que la Guinée, nous sommes en train de nous estrader. Nous sommes en train de nous estrader. Mais, à la mouar, nous sommes en train de nous faire. Adam a dit, il n'a fait fait. Sabou il fait. Il sabou il fait. Il ramerait le barca fait. A sabou il m'a dit, il m'a tout. Il Sénégal, il nous. Nous sommes en la Guinée, nous sommes en train de nous faire. Mais ma sabou, nous sommes sabou il fait. Na sabou il m'a dit. Ouais, nous avons dit, ramelan. Iboureni kobri fe metangani sabou fe. Sabou, c'est très important. Voilà. Maintenant, parce que loi na na Rwanda, la loi, et ni son enquêteur ira. L'enquêteur a 5 jours de faire une enquête sur toi. Après l'enquêteur, comment il s'appelle? L'enquêteur présente le dossier sur le juge. Rwanda, non, voilà, faut qu'il est chez le juge, sur le procureur, parquet. Le parquet a 5 jours de réunir les preuves contre toi, de t'envoyer chez le juge. J'ai passé au parquet, j'ai passé au barreau. J'ai passé au barreau, ndangi barreau rwandais. Je vais vous expliquer, j'ai les preuves ici. Maintenant, enquêteur raquet d'inert. Enquêteur, mais où est-ce que parce qu'avant c'est des ribes. Enquêteur raquet d'inert, enquêteur. Mngaifanga Robert. Enerabe, procès verbal, procès d'arrestation. En garde à vue. Dieu merci. Je remercie l'autorité rwandaise qui m'ont respecté. Ils m'ont donné mon droit.
tout ce que j'ai demandé à l'Interpol, tout ce que j'ai demandé à l'État rwandais et Sonenira. Ouais, j'ai demandé l'avocat, j'ai demandé que mon ambassadeur soit avec moi. Heureusement, il n'y avait pas d'ambassadeur au Sénégal, au Rwanda. Ils ont appelé le consul du Sénégal au Ouganda pour venir m'assister. Maintenant, l'enquêteur est venu pour m'interviewer. Mais j'ai dit à l'enquêteur que je ne parle pas sans mon avocat. Il me dit, ok, on a ma filiation Tongo. Comment, où c'est? Le papier est là. On a ma filiation Tongo, on a Tongo, on a comme quoi, il va la. Mon mec, moi, ma passeport, il va attendre, ma passeport, RIB, attendez, RIB, investigation. Ma filiation, il a un abeg. On a allé Tongo, attendez Tongo, on a fait, ok, on a fait, vraiment, nous n'avons pas de guéliné parce que nous avons la liberté. Parce que nous avons la liberté. Nous avons prisonné. J'étais avec les ministres, les directeurs. Nous avons corruption dans le Ouganda. Nous avons fait fouiller les procureurs. Nous avons guéri. Mais nous avons tout le monde était libre. Tout le monde était libre. Tout le monde était libre. Mais allô, Pati. Ok, Goro, donc, excusez-moi. J'étais avec les cadres, les ministres, les procureurs et même les procès, corruption. Je vous dis que il n'y a pas un pays en Afrique loin de Rwanda. J'ai vu. Ils ont amené les ministres, les directeurs devant moi. Ouais, les procureurs, les juges devant moi, corruption. Maintenant, Efansa Neyama. Maintenant, selon comme Adam a dit, à la manière iratoro, imutoroma. Et na muna geli, parce que mourabou le mané, bangi blebeli na, mourabou le mané, kwera, et moubalan, moubirin. Maintenant, selon, comme mardi, na kwera, mercredi, j'en ai selon, le 12, m'fafala, na ministre, ben mounou ministre n'de na meni, de Rwanda ministre, na geli. Mais attendez nous voilà, Sénégal là-bas, mais attendez nous n'encouragement. Mbala explication vraiment, toute explication vraiment, va falloir non, ça c'est de la politique qui veut te faire du mal. Maintenant, va falloir ba nyemo avocat sonira, va falloir non, mon avocat so, ana wa tanga avocat fa matina. Avocat nous fa, il va me mettre en contact avec son avocat Alkotou na rendu défendu. Maintenant, il y avait un autre aussi, il avait un problème dans là-bas, lui il était le directeur de quoi ba de recette rwandais. Il y a un problème dans le monde, tout le monde. Il faut avoir un avocat. Maintenant, il faut visite. Il y a un ami, il y a un avocat. Mon avocat signé, il y a une explication finalement. Mais comme je tourne, affaire n'a pas été fait, 6 mois aussi, je vais tomber. Je vais tomber. Ça fait, j'ai deux avocats. Na explication fait avocat. Avocat n'a ok. Et reste enquêteur tout. Il y a dossier tout en main. Un dossier tout en main. Maintenant, ils peuvent venir me faire contre-rendu. Maintenant, il y a un dossier tout en main. Il y a un dossier tout. Il y a un dossier tout. Vraiment, un dossier, ce n'est pas compliqué. Comme. C'est l'État guinéen qui a porté plainte contre moi, étant un Sénégalais. Donc, c'est de faire la diplomatie pour que je sois retourné chez moi au Sénégal. Parce que je suis un Sénégalais, mon passeport a été donné officiellement. Maintenant, comme étant moi, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, sans que mon contrat soit le contrat. Il y a un peu de temps. Mon premier contrat, cabinet d'avocat. Où est-ce que cabinet d'avocat. Maître, par la présence, il est déclaré que mon maître Souma, qu'il est droit à un. Ça veut dire d'arrêt, mon avocat, quoi. Maître Pascal, avocat au cabinet d'avocat de la loi. Rien à moi, contraire. Maître Pascal, moi, contraire, 3 000 euros. Mon contrat là-bas, le 31 décembre.
Maître Pascal, avocat au cabinet. Maintenant, après Maître Pascal, mon deuxième avocat, il est là, Maître Digène. Il s'appelle Maître Digène, lui aussi. Entre le sousié et mon maître Souma, étant client dans ce contrat et cabinet d'avocat là, justice présente Monsieur Maître Digène. Ah si, à la téléphone, ah c'est Néa. Moi, contrat, j'ai signé ici, mon maître Souma, il a signé ici. Voilà. Maintenant, il y a un bébé. Anglais, ça lui fait 3 000 euros. Chacun, 3 000 euros. Moi, je suis allé avec combien d'euros? 3 000 euros. Non, il fallait bien mettre, mais maître, moi, je suis un étranger. Je ne connais personne dans ce pays-là. Celui qui m'a mis en contact avec vous, il m'a vu en prison. On s'est vu en prison. Maître, aidez-moi. Il me dit, comment on va vous aider? Je dis, maître, aidez-moi. Je peux vous payer. Chacun 1 500 euros, 1 500 euros. Ça fait 3 000 euros. Ils ont dit non, que eux, leur barème, c'est 2 000 euros. Barème, 2 000 euros. Je les ai dit, je dis, ok, comme je suis dans un problème, ici, j'ai 3 000 euros. C'est dans mon sac, dans le bureau. Je peux aller prendre ça, je vous donne 1 500, je donne 1 500 à Pascal. Pour que vous puissiez prendre ce dossier-là dans votre main. Je peux être que votre frère. Les gens-là m'ont accusé. Les gens-là veulent me faire du mal. Les gens-là veulent me détruire. Mais ils ne peuvent pas. Le bon Dieu est là pour la vérité. Et le bon Dieu m'a fait venir au Sénégal. Sans que je... Moi, Colombard, Sénégal, Kyoki. Je ne le sais pas. Moi, Colombard, Kyoki. Maintenant, il y a un dossier tout en main. Mouna, c'est l'enquêteur. Mouto, c'est enquêteur. Moi, procès verbal, enquêteur, non, c'est vrai. Procès verbal, non, là-bas. Rien. Mouto, c'est enquêteur. Ma signature, non, ça a été photocopié parce que mon avocat n'a pas de nom. Ça a été photocopié, signé par l'interlocuteur, mon avocat, mes deux avocats, signé par l'enquêteur ici. L'enquêteur est là. Moi, j'ai signé où? Moi, j'ai signé ici, mon maître Chouma. Rien, mon maître Chouma. Maintenant, avocat, non, avocat, non, Falembe. Et Rakata, que je sois estradé. Parce que si j'ai commis une erreur, le Sénégal, étant membre de l'Interpol, ne pouvait pas me laisser sortir au Sénégal. Et il devait m'arrêter avant que le Rwanda m'arrête. Mais le Sénégal a mis cachet dans mon passeport. Je suis sorti du Sénégal. Pourquoi Rwanda peut m'arrêter? Il dit, ouais, ça c'est la convention Interpol, quoi, quoi. J'ai dit, ok. Maintenant, le combien? Attends. L'affaire là. Le 17, on m'a amené chez le procureur. Moi, c'est le procureur. Ma déclaration chez le procureur. En tout cas, République Rwanda, National Public Prosecution, Organisation nationale de poursuite judiciaire. C'est écrit en anglais. Mais direct. Vous avez vu? Ma procès verbal, c'est le procureur. Le procureur a signé ici. J'ai signé ici. Mon premier avocat a signé ici parce que mon deuxième avocat était en procès dans un autre truc là. Maintenant, Rwanda, il est en chômage. Il est en chômage. Donc, on a rien anglais pour. Et le procureur est en chômage. Le procureur a signé. Procureur Iker Dinanjoni. Procureur. Parce que une quel procureur on Iker Dinanjoni. Donc procureur Iker Dinanjoni. Maintenant, moi jugement nous na procureur avait 5 jours de me traduire sur le juge. Mais le problème est que procureur Roy, mon avocat a Wendong, parce que nous gars Wendé, ouais chez moi mon avocat n'est. La défense de maître Pascal Horrible. Pour notre client, la défense que je fais moi-même au RIP insiste sur les deux choses importantes. Pas de dossier, pas de preuves tangibles pour ces faits, des indices sérieux de culpabilité. Nous demandons au ministère public de procéder procédure d'extradition de notre client pour qu'il soit jugé par un organe judiciaire compétent en vertu de l'article 2 de la ICCPR. Entre-temps, nous demandons au ministère public d'aider notre client à communiquer avec sa famille pour qu'il
pour qu'il aille détenu au Rwanda. Signé par maître, mon maître Souma, ma signature, mon maître. Donc, nanam fala procureur Rwanda. Le procureur a 5 jours. Donc, comme le procureur n'a pas, alors n'a pas une indice de culpabilité, preuve mouna. Et Interpol l'entoure saisir et rancho. Et Interpol l'entoure saisir et rancho. Maintenant, la Guinée voulait quoi? Ntosga, normalement 5 jours badangi, mardi, le 31, Nsiga juge, Nsiga petit barreau, mon alouane. Mais ben, nous avons barreau, ma procureur, ma juge, ma avocat, ma avocat, il est mot, souma, on ne veut pas que tu pars au tribunal. Si on, quand tu pars au tribunal, le procureur a demandé pour qu'on te donne 30 jours pour qu'il puisse faire des enquêtes. Il dit, ça, c'est pas bon. Il me dit, maintenant, comment on va faire? On va rejeter le procès. Quand on part, parce que le procès là-bas m'est ruiné. Quand on part, tu vas dire que le procès, on n'a pas eu d'interprète. Maintenant, moi, j'ai dit, OK, il faut essayer de contacter mon État, le ministère des Affaires étrangères et les Sénégalais de l'extérieur. Dieu merci, j'avais le numéro du DG, mon grand, mes deux grands qui sont là, que je remercie beaucoup, ils ont fait beaucoup. Mes avocats ont pu appeler ces gens-là pour qu'ils disent au ministre au ministre des Affaires étrangères qu'il y a un Sénégalais qui est arrêté sur la demande de la Guinée. Dieu merci, l'État sénégalais était informé. C'est là-bas mes avocats ont gagné le procès. Maintenant, mes avocats sont venus, ils ont dit, ah, maintenant, que le ministre de la Justice rwandais est en train de négocier avec la Guinée et le Sénégal. C'est mes avocats qui sont venus m'informer à ça. J'ai dit, OK. Maintenant, en attendant, ils ont enlevé, ils ont amené un gars, parce que l'ambassade de Rwanda, Sénégal, Mouna, Rwanda, ils ont appelé l'ambassade Ouganda. Lui, il est venu. Ouais, il est venu. Maintenant, son nom, il a, moi, c'est le Fangli, moi, avocat Fangli, la Guinée Barafala, et réestradé, à convention dans l'ancien. Maintenant, Rwandais, non. Moutamounoma, ou pas la plainte, ça me compte, Mounaran Sénégalais n'a passeport sénégalais n'a naïra. Ara gouvernement yatibara voilà. C'est Ara pays yatibara confirmé que passeport n'a c'est officiel. Mais mouta mouno mana sou de ouïra. Mon problème rabila mounou Sénégal fantaki. Heureusement, relation faina Sénégal nous. Rwanda tegi. Paul Kagame et Macky Sall, impeccable. Impeccable. C'est pour cela que je les aime. C'est pour cela que j'aime Macky Sall et Paul Kagame. C'est pas parce que j'étais là-bas. Parce que j'ai vu le pays là, je sais comment ça marche. J'étais en prison, mais j'ai vu tout. Maintenant, ce nom, et nous, on est en Rome. Maintenant, l'État sénégalais, le ministre, s'est impliqué. Les gens se sont impliqués pour que je puisse rentrer chez moi au Sénégal. Parce que j'ai quitté au Sénégal, on ne m'a pas arrêté. Moi, je ne suis pas en Guinée. Je ne vis pas en Guinée. Je vis au Sénégal. Je connais que le Sénégal. Hein? Je suis né au Sénégal. C'est ça que j'ai dit. Je suis né au Sénégal. Je connais que le Sénégal. Mes parents sont guinéens. Je reconnais que mes parents sont guinéens. Mes parents viennent de la Guinée. Mais moi, je suis né au Sénégal. Mes parents sont venus s'asseoir au Sénégal. Je suis né au Sénégal. Je suis sénégalais. Reconnu. Parce que j'aime ma famille. Une relation Donc, parce que dossier ferrama, mais je pensais à les gens qui pensaient à moi. Tu vois, les gens. Maintenant, mon avocat n'a fait rien à faire. Mounaska, normalement, mardi, il a un procès. Il a un procès. Il a un procès. Il a un procès. Il a un procès le mardi. Normalement, il a un compagnon avec le coroner, mardi. Maintenant, il a la Thomas. Mrini na fe fera sene ba mrini na fe fera ba tu mrini na fe feri ngaba ka fe mrini na fe fera fe fa ba era fe fa mo nyo mri be ibure ibuna da bebe aime ton prochain comme toi même alu na na ba ma ala na na mini gi fe et je remercie l'État sénégalais, je remercie mon État, le ministre des Affaires étrangères, le DG des Guinéens des Sénégalais de l'extérieur,
Et monsieur Momodou Saly Ousso, du parti Ensemble pour le Sénégal, monsieur Cheikh, qui n'ont aménagé aucun effort pour que je sois sorti, pour que je sois extradé au Sénégal. Vraiment, je vous remercie. Je les remercie. Ils m'ont montré que je suis leur parent. Ils m'ont montré que la reconnaissance, ça se paye. Pour ce que je fais pour le président Macky Sall. Pour ce que je fais. Eux, ils sont là, ils voient toutes mes publications. Ils m'ont fait sortir dans ce problème. Dieu est grand. Mais il est là, là, là. Un vendredi, le 3, je suis allé à l'Interpol. Je peux vous démontrer que l'autorité rwandaise, ils ont pris soin de moi. Ma ordonnance est là. Mon hôpital Singé, c'est là. République of Rwanda. Rwanda Militaire Hospital. Bah, tu vois, hôpital militaire. Nous sommes là. Ma sérénaire, État rwandais n'a sera. État rwandais. Maintenant, crise qui est maintenant, il y a un gagnant, il y a un hôpital. Moi, c'est un gagnant, tout ce hôpital, il y a un jeune. Ma ordonnance, il y a un gagnant, c'est un gagnant, texte là-bas. Il y a un gagnant, texte là-bas. Il y a un texte là-bas. État Sénégal, État rwandais n'a pas vérifié. Facture, il y a. Ça, ça a été payé par l'État rwandais. L'État rwandais. C'est pour cela. Je les remercie. Je remercie l'État rwandais, le président Paul Kagame. C'est ça. Aliné nous. Non, mais il faut voir une dernière manière qui nous. Ben non, France. Bon, il faut une dernière manière qui français. Faut la dernière. Et pas dans la Guinée irana à Kouya. Ali Sénégalais tournant. Et pas dans la Guinée irana à Kouya. Mais Dieu n'a pas voulu ça. Eux, ils m'ont respecté. Ils m'ont donné tous mes droits. Ils m'ont donné tous mes droits pour que je sois jugé dans l'ordre. Et puis, non, non, là-bas. Sur l'implication de l'État. La Guinée. J'ai tué quelqu'un. J'ai. Les malfrats, les gens qui ont fait des choses en Guinée. Ah, Moussa. Je sais pas. Il faut jouer combien d'années. Mais Moutan, demande critique là-bas, mais qui mounoumere sombre, mounoumere alcoopé, ramassara. Parce que nabi nya wu ya ma yo man na ganyere e wo man na ganyere e ko lo nto ba e passeport ce que fon ganyere anu fon man ganyere na e passeport na ya di écraser mané fon man ganyere na sabu nya nyira ibo yima be maintenant un vendredi to la toma e na kan namini e na kan namini na kan do e ton namini c'est de la rangle le DG de l'Interpol en avant monsieur Souma nous sommes désolés tu sais ici, tu n'as rien fait au Rwanda, mais le Rwanda est devenu mauvais souvenir pour toi. Ce n'est pas le Rwanda qui t'a arrêté, c'est le Rwanda qui t'a arrêté, mais sous l'ordre de la Guinée, parce qu'on a signé une convention. Donc, il faut qu'on t'arrête. J'ai dit, OK. Il me dit, on veut que tu veux rentrer quand? Chez toi. J'ai dit, rentrer. Il me dit, oui. J'ai dit, où? Il me dit, oh, chez toi, au Sénégal. J'ai dit, j'ai un billet aller-retour. J'ai pris un billet le 9 décembre. Normalement, ça termine le 9 janvier. Aujourd'hui, c'était aujourd'hui, mercredi. Il me dit, maintenant, comment on va faire? Moi, je veux que tu rentres demain. Et on a fait le vendredi, on a fait le samedi. Eh ouais, si on peut trouver une place, je peux rentrer demain. Il me dit, OK. Ils ont pris 90 dollars. Il reste l'agence. Il reste ma billet. Ma billet, c'est là. Ma billet, on a la chambre. Il reste ma billet. Grâce à ma bien, Sende. Al Koura, ça a place na vendredi, samedi, Ngasga. Ntoso, anara encouragé, monsieur Soumane, je connais la prison, vraiment, tu es jeune. Moi, j'ai vu tes vidéos sur YouTube. Parce que dans ma vidéo, il m'a signé sur YouTube. Dans ma combat, il fallait dire, na combat en Afrique. Na combat en c'est pas la Guinée seulement. En Afrique, troisième mandat, ça ne passera pas en Afrique. Que ça soit clair. Ma vidéo, moi, c'est bien. Non, moi, tout short, MFDC, non, CND, non, troisième mandat, n'est moi, c'est bien. Mais ils ont compris que c'est la politique. Ils ont compris. Ne m'en rends pas fou, 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 ne m'en rends pas fou. Mais nationaux, ils ont compris tout que c'est la politique. Maintenant, il y a 90 dollars, et il y a. Il n'a pas de billets, il n'a pas de billets. Il n'a pas de billets. Il bouge.
le samedi à 19h. Le 19h, il a pris le risque. Nto so violon ku, nto so sende ku bore ru manda fo les bébés en libéré. Et tous, ils étaient contents. Ils me disaient Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci. J'ai dit ok. Naramini, naramara fani di là, et naramma côté choni, moi si naré nana m'avoquer n'afa. Donc m'avoquer, je l'autre je dois lui donner 1500 euros encore. Na fala nara ra contrat da fala ra fala ra 1500 euros na ma. Je veux payer. Nakobi tongo mode nakobi fe makio que je vais payer ça parce que j'ai les preuves, le maître il est là, il vit. Ouais. Donc mon engagement nana ba mercredi et na fa eh samedi et na fa et mon famille bi la fora parce que nous ton mini fa le port nous man le mini ma le port notice rouge m'a signalé mané nana man na ba et ok on va te donner quelqu'un qui va t'accompagner jusqu'à Nairobi parce que je devais faire escale à Nairobi. Donc, on va te donner quelqu'un en Nairobi. Maintenant, on va faire en Nairobi. On va faire en Nairobi. Mais, mais, comme on m'a volé par l'état, attendez-nous, on va faire un vol. On va faire un vol. On va faire un bouger. On va faire un vol. On va faire un. C'est un militaire. Et non, un vol. Je n'étais pas menotté. J'étais assis comme tout le monde. Maintenant, on a été vol. Direction Bamako. Bamako, Dakar. Kenya Airways. Maintenant, il a un avion mouffant, il a donné son avion, mais il a un avion mouffant. A fou mou wak bling, a tina mou asiga. J'ai un mou en a mini. Parce que, et ton mou la mini vena, il a un mou asiga hôtel. Mou asiga, il a visa dans mou passeport, oui, mou asho Kenya, mou ari hôtel. Maintenant, mou asho, mou asiga Kenya. Maintenant, ta kolon, nous mina aéroport, oui. Kache rouge, sende man mini mané. Ma sende man mini mané. Ma sende man signalé mané. Ma notice rouge man signalé mané. J'ai été intelligent. Karay mouna febiri na dunia yon ni anu fang ira iba le geni bak nto fa muto ti dama na ka moyo ne wa ne ni mini be ku tung ge van shu mane prosho di gbe tena no man na ki na ka fa na fa ko ma repo na bele bele ga repo bele bele ya na ka fa do ko buri do ona nyama na na ngi a repo na ku ngi sa la sende na mfari an ku iba ku to iba na shiga na ma tike da mbar ki man tungu na shu buri ana tike ne ne shu yi ana ngasa do meni. Tout avion, quoi, avion, t'es couru, nan, alhamdoulilah, rabbil alamin, nous fâchons Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, mougour avion, quoi. Nous t'es nanti, mouna fokou Dakar. Nous t'es au Dakar, y'a rien fatigué, rignala. Y'a rien fatigué, rignala. Nous t'es au Dakar, rien fatigué, rignala. J'ai été à l'aéroport, il y avait deux policiers qui étaient venus me prendre, direction, ministère des Affaires étrangères. Ouais. Je me suis vu avec le ministre, on a parlé. J'ai dit Dieu merci. Dieu merci. Mon pays est là. Dieu merci. Si c'était dans un autre pays, non mais il faut boire une dinara ou bien n'importe quoi. Mais Guinée, la Guinée n'a rien couya. Parce que la Guinée a demandé pour que je sois extradé. Attends qu'il y a des notices dans la baie. Ayango. Comment où ça y est? Notice. Et t'as non mais n'a rien. Et non, on a un peu de temps. Et non, on a un peu de temps. Au Farabé. Mais També, attends-moi, il y a un peu de temps. Attends-moi, il y a un peu de temps. 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 Et bien, il faut faire des preuves. Il faut faire des preuves. Il faut faire des preuves. Ah! Autant, on a un peu de temps. Notice, on a un peu de temps. Attends, on a un peu de temps. Vous avez vu ma photo? Interpol, ma photo, il y a ça. Ma photo, Interpol. Et dans ça. Maintenant, je vais partir à l'auberge. Je vais vous dire que vous avez. Maintenant, il n'y a que quoi, bah, mandat d'arrêt d'une décision de la justice. Quelle justice? Quelle justice? Et il faut radio, il faut faire une photo, il faut faire télé. Il faut un mandat d'arrêt en poursuivre. Maintenant, action requise en cas de découverte. La localisation et l'arrestation en vue d'extradition. La Guinée n'en a pas. Donc, il a arrêté provisoire. Vous avez vu, arrestation provisoire. Donc, nous avons signé. Allez, mon estradé, de temps, famille, là. Nefa, et fantombo, et gani. Il n'y a pas de barre, mais l'État rwanda a refusé. Parce que, il y a la loi. Il y a la loi. C'est là-bas. Si dans un pays, il y a la loi,
Les choses passent comme ça. Mais à Tambour, il faut que je m'en là. Interpol, ça m'en tant compte, Missema. Interpol, ça m'en tant compte, Missema. Missera Barry. Pourquoi Baïdi arrive vous? Baïdi arrive vous? Appelez ça, mon balai en compte. Balai. C'est là. C'est là. Depuis avril 2018, M. Baïdi arrive aux portes pleines à la police judiciaire contre le nommé Mo Souma, alias Mo Maki, et Yaruba Menge Balai Silla. Tous nationalités guinéennes. Ah, regarde, et finalement, ça, mon d'association de malfaiteurs, menace de mort. Moi, il dit, t'as nommé Faraday. T'as nommé Faraday, Allah nanana, je peux te tuer. Allah nanana, tu es Farama. Hein? Mais à comprendre que on a pas fait neki, d'où y'a mouyon meki, à moun goyon roi, maintenant goyon roi, on est radé, d'où y'a mouyon maiki, d'où y'a mouyon maiki, mirinde ne moudiema, alin tam fa dieto, men a la mirinde ne moudiema, dans la vie, il faut savoir, il faut connaître ça. Il faut connaître ça, toi et moi, on a passé des temps, des bons moments. Tu n'as rien fait pour moi. Maintenant, tu veux détruire ma vie. Mais tu ne peux pas détruire ma vie. Ma vie, ça se trouve dans les mains de Dieu. Personne ne peut détruire ma vie, moi. Ça se trouve dans les mains de Dieu. Ouais. Tu as des relations au Sénégal. J'ai des relations au Sénégal. Je ne suis pas ministre. Je ne suis pas gouverneur. Je ne suis pas directeur. Je suis Mo. Je cherche à chercher des relations. Je suis né pour chercher des relations. Je suis né pour être avec les bonnes personnes. Parce que Mary, quelle m'a Mary dans le Mirouma? Allah n'a Mary, Allah n'a Mary Tongouma. Allah n'a Mary, Allah n'a Mary qui m'a dit, qui m'a Mary n'a Riki. Mais tu as fait ça pour me détruire. Tu as fait ça parce que tu as vu que Mbara crash au Tofolo pour me détruire. Mais tu ne peux pas me détruire. Ce passeport-là, le ministre m'a donné l'autorisation de l'envoyer. Ça sera écrasé et j'aurai un nouveau passeport. Et puis, problème, maintenant, depuis 2018, regarde. Depuis le 31 août 2018, Interpol l'a saisi. Mais de pays là, mais où va ce pays-là? J'étais au Maroc le 20. Le 20 mai, ma cachette. Hein, le 20 mai 2019, j'étais au Maroc. J'étais au Maroc le 20 mai. Sorti, Nanabé. Moi, sorti, Nanabé, le 20 mai. Dakar. Train, départ, le 20 mai. À nous, Interpol saisi qui? Interpol, ça y est plein de ça depuis 2018. Depuis 2018. Allons dans 2019, on voyage. Oui, 2019, nous sommes en Gambie. 2019, nous sommes en Maroc. Manglé, 10 jours, manglé. Mais pourquoi? Mais il y a quelqu'un, il y a une enquête là-bas. Il y a quelqu'un derrière ce problème-là. Quelqu'un qui a pris mon passeport ou bien qui connaît le numéro de mon passeport. Parce que sinon, je ne suis pas un Guinéen. Si j'étais un Guinéen, on devait me saisir, on devait prendre le numéro de mon passeport guinéen. Mais je n'ai pas un passeport guinéen, j'ai un passeport sénégalais. Hein? Mon passeport a été filé. A été filé, je ne sais pas par qui. Parce que dans la vie là aussi, même si tu fais confiance à un homme, il va te détruire. Mais, Mbarakoulou, Dounen à Akoulou, vous faites des choses, vous faites des choses à Kanaré. Et quand il y a la barre, il était là. Et mon passeport, peut-être, non, mon passeport, ni moi, ou bien peut-être, non, mon passeport, ça m'a coulé, non, mon passeport, ça m'a coulé, et tant que mon passeport numéro ton va sonner, et mon passeport numéro ton va signaler Interpol. Non, non, barre. Parce que mon passeport numéro mouna, Sénégal, la Guinée a un système qui. Anna, Sénégal, n'a un système qui. Pourquoi, ne, ça, dans ma story, il y en a tout, il y en a sur Interpol, il y a. Rwanda nanam fala mbé Rwanda nanga nu fabi anga fala Interpol Sénégal bi rafa la Guinée bé la Guinée ra notice bamma parce que Interpol ça n'a pas Lyonnais Lyon li nangaliti donc Lyon na bamma fo la Guinée reliti Lyon ba mais gi passeport ngi kaje ma yadi mais oui notice bamma nan tamma oui notice bamma nan ma oyam wena na tefe ki oyam fi nan man na tefe ki ma gibor ibetan. Maïdé Borbete, Rwanda ou Mounori, Allah n'a sauvé, non, tu as sauvé à nous, Allah. Béfang, ou Mounoma. Moi, je n'ai peur de personne. Eh, Faré Mougaouma, Ngeli là-bas, on m'a donné aussi. Ngeli là-bas, Rwanda, avec les ministres, Mounori n'a Ngeli, à cause de Ouraï Sal Fema, Ouraï Sel de Fema. Regardez une photo dans ça. Depuis moi 2019, photo. Moi 2019, photo. Il n'y a pas de tongo, il n'y a pas de Ah, mon ami, c'est des jeunesses photos. Ils n'ont envoyé ça à Interpol. Ils ont saisi Interpol pour m'arrêter. De la merde.
grâce à l'autorité sénégalaise, la Guinée-Mouya, Béké, et les raquets du Chouéi, et nous séfiment, et suivons, Guiké dit, Matongo, malhonnêteté à Amoukri. J'ai mérité pour avoir ça. J'ai mérité pour avoir ça. Mais, au fil de Tofé, il s'arrange. Le ministre est en train de faire ses enquêtes, il est en train de te. Il va faire le compte rendu. À qui le droit? Il m'a promis ça. À qui le droit? À qui le droit? Oh, ma vie, quand on fait notice rouge, ça, ma moufaré, ramouti, la Guinée, mousse, c'est moi, la Guinée, on m'a inté pour. On m'a mis la balle, la Guinée, on a fait quoi, la Guinée, quand on a fait, on a fait quoi, la Guinée, fini, pagaïra, nan, ma oura, pour entendre inté pour. Tu viens, nous sommes dans un pays de la CDAO. Tu viens, tu portes plainte contre moi, je te réponds. Est-ce qu'il y a preuve contre ça? Et on m'a plainte, ça fait un compte. Face Sénégal, ici c'est un état de droit, la CDAO est là. Tu viens, tu portes plainte contre moi, je réponds. Je me défends, j'ai des avocats. Mais tu mets l'Interpol, tu prends l'Interpol juste pour me tuer ou bien pour me faire du mal ou bien pour dire si j'étais dans un pays de merde, on m'a extradé en Guinée depuis longtemps. Depuis longtemps. Mais le bon Dieu est là, je vous dis, le bon Dieu est là. Alamouna Woulebe, Alamouna Woulebe, Alinouna Woulenankouinou, Alinouna Woulenankouinou, Alamoun Soutroma Ifekouinou, Alangifema Semanembe, mais Allah. Nala tantouma ra walira, autorité rwandaise ne tantoumé ra walira, autorité sénégalaise ne tantoumé ra walira. Ala mouna woulebe. N'todo wa Facebook moi, je ne mange moule ça ma miyo ma. Anna banana mfalama. Anou ma moubile ma fi fora. Je suis nan fala rwandais ben. Ne, je suis un africain, Afrique de l'Ouest. Nous sommes contre le troisième mandat de tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Même pas la Guinée seulement. Voilà. Et puis j'ai le droit. Et puis la constitution nous permet de faire notre marche, de marcher, de contester. Je les ai dit ça. Maintenant, eux, ils ont su que c'est de la politique. Ils ont tout compris. Mais le bon Dieu est là. Le bon Dieu ne dort pas. Allah mourima. Ouais. J'ai pris un avocat à 3000 euros. Il y a l'autre qui me doit. Le contrat est là. Il y a l'autre qui me doit. J'ai le droit à 33 000 euros. 3 000 euros, quand tu donnes 1 500, ça reste combien? Regarde, 3 000 euros. Quand tu donnes 1 500, ça reste combien? 1 500. Lui, je dois lui donner 1 500. Mais je vais le faire. Ils m'ont sauvé. Ils m'ont fait sortir dans ce problème-là. Ces 1 500 euros-là, je vais le chercher. Je vais les donner. Ouais. Ouais. Jusqu'à présent, ils sont inquiets. Ils m'ont fait m'avoir demandé si je suis bien rentré. Ntofari. Allah to sabouida. Allah to sabouida. Rima ta fansar denere. Moussé Sefi. Ma grande vansar bine ngam malabu ngaka fay dira, je me repose. Mfana appartement là en qui. Regarde. Mais me voilà un enfant. Mais me voilà un enfant. Juste ngam malabu be. Non ma bangi fende kianere. Non ma bangi fende kianere al kotu manga sende. Parce que une notice rouge na ma passeport mec. Il faut qu'on l'enlève ça. Pourquoi l'Africain méchant? Tu portes plainte contre moi, association des malfaiteurs. Moi je suis un malfaiteur. Moi, je ne suis pas un malfaiteur. Interpol, ça, mon nom, il est balai, lui, il est en France. Juste pour ne pas que nous, on sort. Mais, moi, personne ne me fera reculer dans ce combat-là. Personne. Il n'y a pas d'envolver de personne. Il n'y a combat ce week-end. Ça vient à la fin. Il y a des gens qui ont dit, non, je ne sais pas si je suis là. Je ne sais pas si je suis là. Et puis, je suis là, je suis là. Je te demande. Ouais, mais du combat moyen mangak de la fora. Ou kata, ou mat méthode bête fait, ou non m'amérique canadien qui en a même temps, m'amérique non m'en canadien. Alla nan kanama. Alla mara nou. A serre ramara nou. A barke ramara nou. Ngara barke, m'voyage l'or, m'barke fing n'engara. M'barke fing n'enga, nafin nandin nan nafing, nafin tenena. J'ai fait, m'voyage l'or, nanan bim minig mak. Problème entre trois États, le Rwanda, la Guinée et le Sénégal. Mais Dieu merci, le Sénégal était là. Ils m'ont sauvé. Le droit a été dit. Parce que j'ai passé toutes les étapes. Ntibaroma. Je ne suis jamais rentré dans des mayamou Ntibaroma. À cause des gens, Ntibaroma. Il sera procureur. À cause des gens, j'ai été menotté. Hein? Mais tout ça, ça fait partie de la vie.
faut faire de tout il faut se gayer mais ça fait partie de la vie. Mais quand il a barre, n'a pas passeport numéro Tongo, n'a pas passeport numéro Tongo, Arani ma et Tongo sur Interpol il a nakai, afin, à n'a pas tout fait, à la salle faire à Wali là, à la n'a malima, à la n'a miri sutroma, à la n'a sutroma miri problème qui. Ton ma téléphone n'a bilo on arrête, non ma téléphone n'a bilo on a un aéroport Kigali, j'ai reçu plus de 400 000 appels. Message, mon frère, tu es où? Mon frère, on est, tu es où? On est inquiet. 1000 messages. Je remercie ces personnes-là qui ont pensé à moi. Je remercie beaucoup ces personnes-là qui ont pensé à moi. Ouais. Je vous remercie. Mais qu'est-ce que tu as dit? Nous sommes connectés parce que tout le monde sait que moi, je suis connecté 24 heures sur 24 heures. Je ne me déconnecte pas parce que je suis dans un système avec la présidence de la République. S'il y a une information, on nous envoie directement, on publie les publications du président Macky Sall. Mais beaucoup de gens ne voyaient pas mes publications. Beaucoup de gens ne me voyaient pas. Donc les gens étaient inquiets. Donc je remercie tout le monde. Tous ceux qui m'ont soutenu, de près ou de loin. Tous ceux qui m'ont soutenu, je vous dis merci. Dieu a fait que je me suis en sorti. Quand j'ai mis pied hier à l'aéroport Léopold Sédar Senghor, j'ai prié Dieu. J'ai prié Dieu. Seul Dieu est grand, seul Dieu est fort. Donc dans la vie, il faut croire au bon Dieu. Le bon Dieu m'a sauvé. Bon Dieu m'a fait sortir dans un problème. Quand tu as fait, tu as la faute d'état. Tu as peut-être, tu as fait, tu as fait, mais tu as fait, tu as c'était pas pour m'asseoir. Tu as fait, tu as fait. Les gens ont détruit ça. Ils ont détruit ça. Mais Dieu est grand. Moi, je compte sur Dieu. Je compte sur personne. Je suis en train de faire. Je suis en train de passeport. Je suis en train de. Ils m'ont tout expliqué. Interpol de Rwanda. Normalement, mon passeport sénégalais, je l'ai signalé. Mais mon numéro dans ton go, oui. Et ça. Donc, c'était ça. J'ai mon ordonnance. J'ai été malade. C'est l'État rwandais. C'est eux qui ont payé tout ça, mes ordonnances. J'étais respecté là-bas. Tous mes droits étaient respectés au Sénégal, au Rwanda. Tout. C'est pour cela que je remercie l'État rwandais, je remercie le président Paul Kagame. Parce que mon affaire, c'est presque c'est parti jusqu'à sur les oreilles du président. Dire qu'il y a un Sénégalais qui est détenu ici, la Guinée a dit, qui va? Mais Alamouna Oulébé, Alamouna Oulébé, c'est être méchant. Regarde ma photo. Allez, ma photo 2000, Guinée n'est pas ça. Mais ma photo 2020, regarde 2000, 2019, 99, 2000. Moi, je suis un bandit. Et m'en face, bébé, attention, dangereux, dégressif, risque d'évasion, violent. Mais Dieu est grand. Je vais me rétablir, je vais me reposer bien, je vais me rétablir et le combat continue. Pas de recul. Pas de recul. Je ne perds rien. L'Interpol guinéen et celui qui a porté plainte contre moi, Baïdi Haribo, c'est là. Son nom est là. Ce n'est pas moi qui ai dit, son nom est là. Arlina Abe. Maintenant, Arlina Abe. Arlina Abe. Comme à Sender, il y a photocopié. Il y a Baïdi Haribo. Il y a un bel endroit dans un bon maïki. Menge balé Arlina. Menge Yaruba balé Silla. Plein ça monte en compte. Voilà. Donc Guinan Nara, na fonné ngai vidéo là-bas pour éclaircir les choses parce que les gens étaient inquiets. Donc je sais maintenant que je suis soutenu. Je sais maintenant que les gens sont derrière moi. Donc le combat continue. Moi je ne vais plus me reculer, je vais passer à l'action maintenant. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir pris votre temps. Donc, j'espère que le meilleur reste à venir. Le combat continue. Et tous ceux qui ont pensé à moi, je vous remercie. Que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu bénisse le Sénégal. Que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu vous bénisse, vous les Guinéens. Tous ceux qui sont en Guinée sont en train de faire du combat pour que ça change. Qu'Allah vous protège. Nous aussi, on est là. L'Afrique, c'est l'Afrique qui gagne. C'est la Guinée qui gagne. C'est le Sénégal qui gagne. Et la vie continue. Je vous remercie. Et bon mercredi. Merci.